Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de notre décision, de notre choix. Dieu nous donne à tout un chacun un libre choix, ok? Nos décisions, nos choix. Donc, souvent, on peut être. Mais il y a les enfants de Dieu qui participent au mal des gens, ok? Au malheur des gens. Il y a les enfants de Dieu qui participent. Ils ne font pas par exprès, mais si ils participent. Je vais parler un peu de cela. Ce sont les enfants de Dieu, ok? Mais actuellement, ils sont dominés par le mal ou bien il y a des paroles qui se disent que je vais parler un peu de ça. Parce que dans la vie, si tu veux changer de camp, tu veux changer de camp, tu veux pas être la personne qui cause le malheur des autres ou la personne que l'ennemi utilise pour faire du mal. Tu ne comprends pas pourquoi à chaque fois, lorsque il y a un malheur ou bien il y a des mauvaises choses qui doivent arriver à quelqu'un, toi tu es toujours la personne qui l'a accompli. Tu n'es pas là pour accomplir le bien dans la vie des gens, mais tu es toujours utilisé pour le mal. Ok? Tu es une personne qui est toujours utilisée pour le mal. Mais tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Au fond de toi, tu sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Mais comment se fait-il que chaque fois, c'est toi qui es utilisé pour le mal? Chaque fois, tu n'es pas utilisé pour le bien. Tu es toujours utilisé pour le mal. Donc, c'est de ça que je vais parler un peu. Ok? Pourquoi souvent tu es utilisé pour le mal? Ça dépend de toi-même, ton choix. Ok? La parole nous dit dans Deutéronome, que j'ai mis ici. Dans Deutéronome 19, dans Deutéronome 31, verset 19, je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part la mort et la malédiction. Ok, je vais recommencer. Deutéronome 31, verset 19. Je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part, la mort et la malédiction. D'autre part, choisissez donc la vie. Dieu te demande de choisir la vie. La vie, c'est lui-même. Ok? Donc, ça dépend de. Le choix te revient. Mais chaque fois que le choix te revient, tu choisis toujours le mal. C'est pour cela, le mal a le pouvoir de t'utiliser quand il a besoin de toi pour accomplir le mal sur cette terre, dans la vie des gens. Ok? Donc, c'est un peu ça. Comment se retirer de tout cela? Ok? La parole te dit dans Deutéronome, je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part, la mort et la malédiction, d'autre part, choisissez la vie. C'est à toi de choisir la vie. C'est à toi de choisir la vie. C'est à toi de te. Parce que deux fois, les gens qui sont là pour accomplir chaque fois le mal dans la vie des gens, souvent j'ai remarqué ces gens-là. Ils se parlent, ok? Ils se parlent, mais ils ne se rendent pas compte. J'ai remarqué au moins deux personnes comme ça, différentes. Deux personnes disent, ah, moi je vais être gâtée. Je vais être gâtée son mariage. Ah, moi je vais gâter ça. Parce que s'ils ne sont pas d'accord pour quelque chose, eux ils décident de gâter. Eux ils décident, ils prennent.
ils prennent le côté du mal, ils prennent ils veulent comment on appelle, eux ils décident d'agir pour le mal dans la vie des gens. Ils décident d'agir pour le mal. Donc s'ils sont pas d'accord que si c'était telle personne a décidé de faire quelque chose, ou bien s'ils sont pas d'accord, ou bien ils sont peut-être jaloux du mariage de l'autre, ils prennent une décision. Moi, ce mariage-là, je vais gâter. Et après, c'est eux-mêmes qui le font. Ils le font ça. Donc, c'est l'exemple que j'ai donné. Mais il y a d'autres choses. Il faut remarquer, si tu veux quitter dedans, si tu veux quitter, tu es enfant de Dieu, mais chaque fois, c'est toi qui es toujours là, que l'ennemi t'utilise pour accomplir le mal dans la vie des gens. C'est toi seulement qui es toujours là pour le malheur des autres. C'est toi toujours qui es... ta vie là, c'est pour accomplir le mal dans la vie des gens. Tu n'es pas là pour accomplir le bien, mais plus le mal, ok? Donc c'est de toi que je parle. Le choix te revient. Dieu, pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que Dieu t'a donné le choix. Un libre choix. Dieu t'a donné le choix. Donc le choix te revient aujourd'hui. Si tu veux quitter dedans, si tu veux pas être un instrument pour le diable, pour qui tu utilises, tu dois te parler toi-même. Tu dois dire, moi je suis... Tu parles, quand tu parles, là, tu es en train de parler à ton âme. Moi, souvent, je me parle, je dis, mais moi, je suis une personne qui veut faire du bien sur cette terre. Je veux aider les gens, je veux aider les pauvres, je veux pas être quelqu'un qui va juger une maman, la traiter de sorcière, moi, une tante, la traiter de sorcière. Moi, cette tante-là, moi, je veux bien m'occuper d'elle. Moi, je veux faire du bien dans sa vie. Je veux m'occuper des orphelins, je veux faire quelque chose de bien sur cette terre-là. Je suis née pour le bien. Je me parle souvent tout seul. Donc, je veux pas faire du mal à quelqu'un. Je suis pas là pour le mal. Moi, je suis là, je vote pour le bien. Je vais jamais voter pour le mal. Mais si tu passes ton temps à dire ce que je vais leur montrer, ce que je vais faire là, eux là, les gens là, ils me connaissent pas. Tu es en train de, en tout cas, choisir ton camp. Tu es en train de choisir le mal. Tu es en train de choisir ton camp. Donc, si tu es une personne qui est toujours du côté, un instrument pour le mal, aujourd'hui, tu entends ce message, tu peux redevenir, en renonçant au mal, tu peux redevenir un instrument pour le bien, pas toujours pour le mal. Parce que lorsque tu es disponible, lorsque tu décides, lorsque tu te parles, tu es seul, tu te parles. Moi, je vais jamais leur faire du bien. Moi, là, je suis pas là pour eux. Donc, en tout cas, si tu dis cela, donc ça veut dire que tu es là pour le mal. Ok? Donc, je suis là pour dire, c'est pas ta... Si tu veux quitter, parce que souvent, les gens qui font le mal, ils ne savent pas. Mais ils ont décidé, ils ont pris une décision pour être un instrument du mal. C'est pour cela, quand le mal doit accomplir dans la vie de quelqu'un, ils sont disponibles et le mal les utilise pour l'accomplir. Ok, bye, il y a trop de bruit. Donc je vais continuer ce message-là après, bye.